Lisons à présent les journaux parus ces mardis. Dès janvier, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, revue de presse. Débutons ce tour d'horizon des journaux avec ce titre à la une des Géopolis Hebdo. Deuxième mandat du fils du Sphinx, Félix Tshisekedi, ses défis économiques. En croire les tabloïds, pour l'année 2024, les perspectives économiques de la RDC restent bonnes, avec des projections des taux de croissance de 7,2% contre 6,8% en 2022, tirés par le secteur extractif d'au moins 12% en moyenne entre 2023-2024. La RDC, poursuit-il, dépend des exportations de ses ressources naturelles, en particulier de cuivre, 60% des recettes d'exportation, et le cobalt, 20%. Ici, le défi à relever est la réalisation de ses prévisions de croissance. C'est fait. Félix Tshisekedi, largement réélu avec 73%, s'exclame Econews, qui renseigne que dès les premiers jours de publication des résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, cité par les confrères, était déjà parti pour une victoire écrasante. Enfin, le président de la CENI l'a confirmé dimanche 31 décembre, lui attribuant 73,34% de voix, ce qui le met loin devant ses deux principaux poursuivants, à savoir Moïse Katumbi, 18,08%, et Martin Fayulu, 5,33%, conclut le journal. La victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi sur les 26 candidats, un seul est élu, Félix Tshisekedi, avec 73,34%, laisse entendre l'explorateur. Le Moniteur fait savoir à sa manchette que la réélection des Fatshi, plus de soutien et reconnaissance de ses pairs dirigeants africains. Pendant ces temps, la prospérité relaye les félicitations du directeur général de la Gécamines SA, Placide Nkala Bassadiloa, au chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection. Je cite, c'est avec empressement que je vous transmets ce message de félicitations. Après votre réélection, voici l'heure venue de la consolidation des acquis pour lesquels nous nous sommes engagés. Les années à venir sont décisives pour la réalisation des projets ambitieux qui accompagneront votre second mandat, pour lequel je vous souhaite plein succès. Fin des citations. L'opposition abandonnée par la SENCO et l'ECC s'exclame la référence plus, et c'est tout pour cette revue de presse.